דרכים בחינוך. השגת המטרה של החינוך נעשית בשתי דרכים עיקריות. On atteint le but, l'objectif du חינוך à travers deux chemins principaux. Premier, l'exemple. Être un exemple. החיוב הגדול של ההורים הוא לשמש דוגמה. כל ילד רוצה באופן טבעי להזדהות עם מורה ולחקות אותה. Ça, c'est toujours, tous les enfants, toutes les filles veulent un mari comme papa, et tous les garçons, ils veulent une femme comme maman. Zéro. Kahazé. Quand il y a un chinuch normal, bien sûr. Tous les enfants, de manière naturelle, veulent ressembler aux parents. D'où l'importance de l'exemple. Ima dougma che mar imitova, vaya hasu ben aurim, vaya ledou ya hasbari, ya has levavi, vecham. Si l'exemple est positif et le rapport entre les parents et l'enfant est sain, chaleureux, le vavi, azay beofen tivri hayeled yirtze liot kmo aviv shelo, vayalda tirtze liot kmo ima. C'est naturel. La mère, alors elle représente l'exemple pour la fille, le père représente l'exemple pour les garçons. Et naturellement, le garçon voudrait être comme le père et la fille comme la mère. Alors, il faut profiter de ce cli naturel que Kadosh Baruch Hu a fait. C'est-à-dire qu'on a un cli automatique. C'est pilotage automatique. Ça marche tout seul. Parce que Kadosh Baruch Hu a mis ça dans la nature de l'enfant. Donc, en vérité, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Juste montrer l'exemple, avoir un rapport chaleureux et le travail se fait tout seul. Le problème, c'est que l'exemple n'est pas toujours bon et le rapport n'est pas toujours chaleureux, alors ce qui fait des problèmes. Ehad miikare achinuch hachashuvim biyoter ou adugma haishit. Im orim dorshim yeladim varim shem atzma menamosim, em alulim yikalkel et hayeladim legamre. On n'a pas besoin de s'étaler sur ça, c'est tout le monde sait, tout le monde connaît, tout le monde sait ce qui se passe avec lui. Qu'on est loin de représenter ce qu'on exige. On demande à nos enfants X et nous on est Y. On aimerait, il y en a qui disent si moi j'ai pas réussi, si moi j'ai au moins mes enfants. Tu crois que tes enfants c'est de la pâte à modeler. Alors tout ce qu'il a pas fait lui, il veut que ses enfants y fassent et lui il continue à pas faire. Et il veut que ses enfants y fassent. Ça marche pas. Oui, un papa qui dort, il oblige son fils d'aller à la synagogue. Le fils il sort pas normal. Ça c'est un. Deux, hasbara. Expliquer, s'expliquer. Le malar gidol shel ha'eled tzricha liot hasbara. Hasbara shel ha'emuna, shel mitzvot ha'Torah. Il faut expliquer. Ça veut dire qu'il faut parler. Il faut que l'enfant, à son niveau, selon son âge, avec les mots, il faudra employer les mots qu'il faut pour lui expliquer qu'est-ce que c'est la emuna, qu'est-ce que c'est les mitzvot. מותלת חובה על ההורים להסביר לילדים לא חשוב שהילד קטן מדי ועליו לקיים לא לחשוב ועליו לקיים את הדברים בלי הסברים כלל נוער, lui il est petit, il doit faire sans comprendre, c'est comme ça et c'est tout, voilà, on fait comme ça, on fait comme ça. Oh, pourquoi papa, je suis fatigué, c'est comme ça. Non, il faut expliquer, il faut prendre l'enfant et lui dire regarde, si jamais tu vas faire l'effort maintenant de faire cette mitzvah là, que tu saches Kadosh Baruch Hu, il va t'ouvrir les portes, il va donner la bracha, il faut lui expliquer à son niveau, tu vas être heureux, et tu fais danser les malachim, et tu fais ci, et tu fais ça. L'enfant, il comprend maintenant, il a envie de le faire. L'olarcho, et ne pas croire que l'enfant est trop petit, non? Aesber, tzarich lavo, bisfatam, ou beetem, la ramachinaim, comme on a dit, dans leur langue à eux, et selon leur niveau. Nous, on n'a pas de patience aujourd'hui, on n'a pas de temps, on a rien. Et alors, tout marche comme des robots. C'est comme ça. Letzarenu, zetafkit, sharbe permim, nimtsa muznah. C'est un rôle qui est souvent mis de côté. Lo oskim aspik basbara. On n'est pas occupé, affairé suffisamment à expliquer. À expliquer.
C'est vrai avec la femme aussi, c'est vrai avec tout le monde, faut toujours expliquer. On a l'impression que on est censé être compris automatiquement. On dit des choses que nous, c'est clair dans notre tête, et on croit que tout le monde réfléchit comme nous, et tout le monde pense comme nous. Et alors, on dit des choses et que les gens ne comprennent pas pourquoi tu dis ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu dis. En tant que Rav, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de lachat, il y a beaucoup de choses. On dit les choses rapidement, parfois les gens ils comprennent pas. Donc qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que ça? Il faut expliquer. Parce qu'il y a eu ça, parce que comme ça, et si c'est comme si, et si je fais pas ça, alors, et par rapport à l'autre, et par rapport à si. Tous les résultats qu'on a fait, et lui il sort directement le résultat, et les gens ils comprennent pas. Alors à la maison aussi c'est pareil, avec les enfants aussi c'est pareil. Pourquoi il a puni? Pas les 10 ans. Pourquoi il a puni? Pourquoi il faut faire les mitzvot? Pourquoi si? Pourquoi ça? Chaque chose, il faut expliquer. Déjà, ça développe le kesher avec l'enfant. Pas un kesher froid et distant. Enfin, un kesher proche. Où on explique, où on parle, etc. etc. Donc, déjà, c'est une raison de créer un lien avec l'enfant. Et de deux, pour le chinour de l'enfant. C'est complètement différent s'il fait les choses qu'il comprend, qu'il aime, que s'il fait les choses par ordre et parce que c'est comme ça qu'on doit les faire, sans savoir pourquoi. Mais c'est pas juste, nous aussi c'est comme ça. On est aussi des grands enfants, on est des grands enfants, et quand on nous explique pourquoi il faudrait agir d'une façon et pas d'une autre, alors on le fait, déjà on le fait, et en plus on le fait avec autre chose. Parfois, on est obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et Aval, c'est la Torah, c'est le Rav, il a dit, il faut faire. Top, si c'est comme ça, c'est comme ça, on va faire. Okay. Alors, si on nous prend, on nous explique, regarde, il y a ça, ou on fait du réseau, combien c'est important ce que tu vas faire maintenant, combien c'est. Voilà, c'est autre chose. Je bole un pif, Béchad Riva. Tout celui qui bole un pif, Béchad Riva. Alav Neymar, il s'est acheté le bouvour à toi, il dit c'est Petah Mirba de la Tchouva, et Mahavir Al-Midotan, comment c'est Rajou, comment c'est. Puis maintenant il a un Isayon, et maintenant il oublie tout. Oui. C'est comme ça, il faut. Ah, c'est comme ça, c'est impossible. Ah, si. Il s'explique lui-même, on vient, on lui explique, regarde, maintenant, à ce moment-là, si un rabbi vient et lui dit, regarde, si maintenant tu te retiens, si maintenant tu fais attention, si maintenant tu sais pas le zarin, c'est facile. Maintenant qui se tait. On explique, il faut s'expliquer tout. C'est bon? Explique. 8 minutes, 10 minutes. 8 minutes. 8 minutes. Ouais. Qu'est-ce que ça? J'aime bien que nous, pas au canon, on l'aime, on l'aime.